Le cinéma est un jeu qu'un auteur doit entretenir avec le spectateur. Et là où de plus en plus de réalisateurs ne donnent qu'un premier degré au 7e art, certains se donnent pour objectif de s'en amuser. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui ne voit le cinéma que comme un jeu constant entre le spectateur et un film au travers de ses codes et de ses genres. Shane Black est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 30 ans. Clairement, ce n'est pas le genre de réalisateur qui semble avoir eu un impact fort sur la production audiovisuelle selon beaucoup de cinéphiles. Et pourtant, il parcourt la pop culture depuis près de 30 ans, en ayant été l'un des auteurs les plus emblématiques d'un certain genre de cinéma dans les années 90, en ayant offert au grand public des œuvres populaires et cool, ce qui semble être au centre de son art depuis son passage derrière la caméra. Passage qu'il a rendu symbolique en décidant de reprendre totalement les codes de son univers en tant que scénariste pour les replacer dans un décalage des genres encore plus flagrant. Il ne semble avoir pour seule passion depuis que de jouer avec nos attentes sur un film en les replaçant dans un décalage culturel et émotionnel puissant au sein du 7e art. On attend toujours un film au tournant, que ce soit par un pitch, une bande-annonce, un casting ou même une idée qui a amené à une pensée, et donc à un fantasme sur un métrage, et Shane Black semble en avoir pleinement conscience et chercher à jouer avec cela. Rien qu'en pensant à un récit, Blake y voit plusieurs manières de le voir, posant ainsi une base sur laquelle il peut placer son univers, mettre en place ses pions et berner le spectateur en long et en large, jusqu'à parfois amener celui-ci à se poser des questions qui l'amèneront à revoir le film et à y voir une autre dimension. On dit souvent que lorsque l'on regarde un film, on peut y voir deux visages, celui de la découverte et celui de la compréhension par le biais d'un second visionnage. Blake, lui, conçoit ce regard dès le premier visionnage, en concevant des films qui à chaque moment se réinventent par un jeu subtil avec les genres, les tons et les symboles du 7e art. Dès les premiers instants d'un de ses longs métrages, le réalisateur joue avec nous, en posant les bases d'un cinéma qui peut sembler classique, mais qui finalement nous berne et nous offre bien plus qu'une simple pensée formatée sur le monde. En posant cela, Blake ne fait que produire un objet audiovisuel qui par la suite ne pourra que surprendre. Et c'est en cela que son cinéma est d'une grande classe et d'une nouveauté rafraîchissante dans la production hollywoodienne. Car en offrant un braqueur acteur en pleine compréhension de son passé et de son présent, et un super-héros qui ne se remet pas d'un traumatisme, il nous confronte simplement à des archétypes du cinéma des années 50. En plaçant simplement cela, Blake permet à ses films de revenir à l'essence même d'un personnage, soit l'admiration ou la pitié qu'on lui porte et qui nous permet de le comprendre. En amenant cela, Blake ne fait finalement que comprendre le spectateur pour mieux lui montrer le décalage de notre société et de nos actions par rapport à notre monde. Ainsi, Blake n'est jamais blanc ou noir au travers de son cinéma, et c'est en cela qu'il a tout pour apporter de la nouveauté à la production audiovisuelle actuelle, comme il le fit dans les années 90 en révolutionnant le cinéma d'action populaire. Plus le temps avance, plus les productions à gros budget semblent se ressembler, hormis quelques exceptions qui chiffonnent des fois. Mais dans l'ensemble, ce sont des auteurs comme Shane Black qui transforment le cinéma et qui font que nouveauté est égale à renouveau de cet art qu'est le 7e. Plonger dans la filmographie de Shane Black, c'est se dire tout simplement que le cinéma, au fond, c'est mélanger plein de choses et y voir un ensemble homogène. Là où beaucoup ne semblent voir le cinéma qu'avec un seul ton, Blake se dit tout simplement que l'on peut encore, aujourd'hui, s'amuser de sa diversité et de sa palette d'émotions.